émission qui se joue de l'actu. Avec nous ce soir, 5 terriens extra, Nadine de Rothschild, Hélène Cigara, Juliette Arnaud, Georges-Marc Benamou, Ismaïne. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Bonsoir, Barry. Ouais. Nadine, bonsoir. Bonsoir Thierry. Donc vous êtes ici ce soir, Nadine, pour un nouveau livre intitulé « Les hommes de ma vie ». Et je suis un peu déçu quand même. Il n'y a que 358 pages. Il y a un deuxième tome, Thierry, ah qui bon se prépare. Ah oui, oui, j'ai oui l'impression qu'il en manque pas mal quand même, là, non? Non, non, il ne faut pas confondre ceux qui ont été derrière la porte et ceux qui ont été de l'autre côté. Voilà, on n'allait pas finir la phrase. Ceux qui ont été voilà derrière. Ouais. Voilà, hein, pas sûr de ne pas confondre. Voilà. Non, je parle des hommes de ma vie. Thierry a été un homme de ma vie dans le deuxième tome, voyez-vous, voilà, pas pour l'instant. Voilà. J'ai acheté un costume, d'ailleurs. C'est vrai. Voilà. À ma connaissance, Thierry n'a jamais été dans mon lit. Ben voilà, c'est toi qui n'as pas voulu en même temps. Ouais. Une question, est-ce qu'il y a un homme qui a marqué votre vie? Ah, mon mari, bien entendu. Oui, Edmond. Mais hormis votre mari. Non, non, Edmond, c'est le plus riche. Oui, bien sûr. Mais hormis. Thierry, non, je ne suis pas certaine qu'il ait été le plus riche. Qui a été le deuxième? Écoutez, monsieur Ismaïne, nous sommes à peu près de la même famille. Oui. Les Ismaïne et les Rothschild sont à peu près liés, voyez-vous. Voilà. Ouais. Le vrai nom de Nadine, c'est Nardine de Rothschild. Ça va. Ça va. Je peux la sortir. Bon, on continue. Hélène Cigara, bonsoir. Alors, vous voilà de retour, Hélène, donc, avec un nouvel album, un nouveau single, une nouvelle tournée, un nouveau mec, des nouveaux seins. Tout est nouveau. Non, les mecs et les seins, c'est toujours les mêmes. Ah, d'accord. Bon, oui, tant pis. On vous a pas vu depuis longtemps. Vous attendiez que Victor Hugo vous écrive une nouvelle comédie musicale, Non, j'attendais, Hélène, que mes enfants grandissent un peu. Ça va bien? Oui, Mathéo va bien? Oui, merci. Très bien. Donc, on parlera de votre album qui s'appelle « Quand l'éternité ». Voilà. Alors, Juliette Arnaud. C'est moi. Après le triomphe de « Arrête de pleurer, Pénélope », 4 ans à l'affiche, 500 000 spectateurs, retriomphe avec Arrête de pleurer, Pénélope 2, avec Christine Angliot et Corinne Puget, toujours. Toujours les mêmes. Alors, vous remarquez que maintenant, on ne vous présente plus comme l'ex de Michael Youn. Hein, quand ah, c'est vrai, et ça, c'est un net progrès. C'est un net progrès. Les gens me le disent encore dans la rue. Voilà. Et depuis qu'il n'est plus avec Elsa, d'ailleurs, je suis redevenue son ex. Bien sûr. On ne vous présente plus non plus comme la fille qui disait rien chez Stéphane Bern. Non plus, j'ai voilà gagné ça. Ouais. Non, mais c'est... Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Georges-Marc Benamou, bonsoir. Vous nous parlerez de votre nouveau livre, Le fantôme de Munich, chez Flammarion, qui est consacré au fameux accord de Munich grâce auquel France Télévisions a pu diffuser Derrick pendant toutes ces années. C'est une manière de voir les choses. C'est sur la fête de la bière, non? Non, en fait, bon, vous imaginez, Georges-Marc, une rencontre entre Édouard Daladier, un peu comme quand vous aviez rencontré François Mitterrand si souvent. Daladier qui a signé avec Hitler les accords de Munich, où il acceptait l'annexion des Sudètes et le démembrement de la Tchécoslovaquie, ce qui a amené à la guerre, voilà. Ouais, c'est une tragédie sur, sur un mec qui se lève et qui a rendez-vous avec Hitler. Non, mais c'est aussi simple, c'est comme ça que j'ai voulu le voir. Alors, Ismaïne, vous fêtez vos 20 ans de carrière avec un one-man show intitulé Best Of. Oui, Best Of. Oui. Au théâtre du gymnase. Oui, théâtre du gymnase. Pourquoi le gymnase? Pour perdre du poids? Non, oh là là. Quand il y a 20 ans, j'étais maigre comme ça, en me disant, il faut que tu bouffes. Maintenant que je bouffe et que ça marche bien pour moi, maintenant, il faudrait que je maigrisse. Il faut savoir ce que vous voulez, monsieur, dame. Ce qu'on veut, c'est ton bonheur, ce mec. Voilà. Alors, on commence avec le hit de l'actu. Alors, 18 millions d'électeurs encore indécis sur leur vote. Nicolas Sarkozy, qui pense que l'on est pédophile et suicidaire. L'annonce d'une phase industrielle dans le nucléaire iranien. La montée de la violence islamiste au Maghreb. Et la promesse de Sarkozy à Chirac d'une future amnestie. Enfin, démentie par les intéressés, mais enfin, annoncée par ailleurs. Voilà. Alors, on commence avec vous, Nadine. Quel est pour vous l'événement le plus important de la semaine? Pour moi, l'Iran. D'accord. Hélène? Moi, je vais dire peut-être le numéro 1, c'est-à-dire que je trouve ça hallucinant, et j'en fais partie, qu'il y a encore des indécis. Juliette?
tout ce qu'il a dit sur l'eugénisme, voilà, ouais. qu'on essaie pédophile ou suicidaire, voilà, je pense à des gens qui ont eu des enfants suicidaires, ça doit leur faire bien plaisir, je pense. Ouais. Voilà, ils sont ravis. C'est quoi pour toi l'événement le plus important ? Malheureusement, c'est le 4, c'est la montée de la violence islamiste au Maghreb. Ouais. C'est extrêmement douloureux, je suis très affecté de ce qui se passe là-bas. En Georges Marc ? Bon, c'est le 3 et le 4, c'est la même question de l'islamisme militant, c'est pas de l'islam, attention, surtout pas de l'islam. Numéro 8 de l'actu, l'annonce d'une phase industrielle dans le nucléaire iranien. Alors, on continue avec les images de la semaine et on commence avec l'image la plus punk de la semaine. Un extrait de South Park. Yes? Your Majesty, the attack has failed. We were unable to end the American Revolution. I see. Charme. Ça vous choque, Nadine, ça, ou... Non, pas du tout. Ils n'ont pas aimé les Anglais. Hein. Non, pas du tout. Les Anglais on peut le comprendre. Jamais rien. Alors maintenant, l'image la plus anti-bouche de la semaine, c'est Steve Jobs, donc le patron de Apple, qui présente un nouveau produit, l'Irak. Ladies and gentlemen, I give you the Iraq. The Iraq looks unstable. Trust me, the intelligence briefings I got on the Iraq are completely credible. The Iraq looks like something we shouldn't be involved with. It looks like you put it together with no directions. I'm confident the Iraq will work without any directions or plans of any sort. I'm going to put even more things in the Iraq. But the iProducts don't even look like they're getting along in the Iraq. They look like they hate each other in there. Look, the Iraq's starting to smoke. That's just the beginnings of synergy. I will help the process along by throwing the rest of our money at the Iraq. Oh, the Iraq's on fire! Oh my God, the fire from the Iraq is engulfing the entire building! Everybody out! Oh my God! Where's the exit? How do we get out of here? You can't get out of here! There is no exit strategy. Voilà, donc, un sosie de Steve Jobs qui propose un faux produit Mac. Mais c'est très drôle et c'est très fort. Hein. C'est vraiment... Ils sont extraordinaires. On continue avec l'image la plus SM de la semaine. Et l'abnégation de ce pauvre chien. C'est du jambon. Voilà. Difficile de dresser un chien comme ça. Hein. Je sais pas, ou alors c'est un chien qui mange pas de porc, peut-être. C'est un chien musulman, ouais, voilà, certainement. L'image la plus porno de la semaine, maintenant. Nadine, bouchez-vous les yeux. Et voilà. T'as vu ? C'est extraordinaire. T'as déjà vu un mec qui se déshabille à cette vitesse-là ? J'adorerais. T'adorerais, non ? J'adorerais, quand vrai. On est bien chaud, là, c'est formidable. Non, il est très, très fort, le mec, ouais. L'image la plus mollassonne de la semaine, maintenant. Ah, ça, c'est génial. Extraordinaire. C'est extraordinaire, hein. C'est dur à faire, ça. L'image la plus bad trip de la semaine, maintenant. Ils sont combien ? Ils sont deux, trois. Voilà, envoyé par Nicolas Torchman, encore. C'est quoi, mais c'est drôle. C'est drôle, hein. T'imagines ? Le mauvais trip quand tu es dans l'escalier. L'image la plus macho de la semaine maintenant, c'est une pub pour des femmes à louer.
si possible, femme en location. C'est bon, là. Oui. Il est rentré. Ça fait rire. Oui, tout à fait. L'image la plus anti-système de la semaine maintenant. Alors, je vous explique. Donc, aux États-Unis, la nouvelle star s'appelle Pop Idol. Ah, oui, et les gens ont décidé de voter pour le plus nul. Le plus mauvais, voilà. C'est que le plus nul gagne. Alors, il chante comme une patate, il a gagné. C'est génial. Voilà. Kylia, il chante pas de mal de la plupart des candidats de la nouvelle star non plus. Hein, mais non, il bon. Y a pire, il y a pire. Il y a pire, oui. Ouais. Donc c'est lui qui va gagner, c'est extraordinaire. C'est comme façon de retourner le système complètement, de voter pour le plus nul. On devrait faire ça aux élections là, c'est présidentielles. C'est le même pays où ils ont voté deux fois pour Bush. Oui, ah oui. Il doit y avoir un lien, je pense, quand même. Hein. L'image la plus super size me de la semaine. Ça flingue bien le moral, ça. Hein. Et alors, la morale de l'histoire, c'est qu'on n'a plus le droit de boire, c'est ça? Oui, ni de fumer. Ni de fumer, ni de manger, fumer, voilà. Ça aide bien. Et on termine avec l'image la plus mortelle de la semaine. Une pub. Pourquoi alors? Je sais pas. Préservatif. Ouais, absolument. Préservatif. Bravo Georges Marc. Et la line à la fin, c'est voilà ce qui peut vous arriver de moins pire si vous ne portez pas de préservatif. Voilà, c'est génial. Voilà, Georges Marc Benhamou, à nous. Vous publiez chez Flammarion donc Le Fantôme de Munich, un roman historique dans lequel on suit le président du Conseil Daladier tout au long des deux jours qui ont abouti aux accords de Munich en 1938. Alors c'est terrible ces accords de Munich parce que Churchill avait dit « Vous avez voulu éviter la guerre en vous déshonorant, vous aurez le déshonneur et la guerre ». L'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est un pays oublié mais un pays frère, c'est un pays que la France a accouché qui est la Tchécoslovaquie. Ouais. Et finalement Hitler dit « Je veux la Tchécoslovaquie sinon c'est la guerre » et c'est finalement ce déchirement cornélien qui, chez Daladier, m'a intéressé. Il y a quelque chose de pathétique. Alors, ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que quand Daladier revient en France, quand il atterrit au Bourget, il est accueilli par une foule en délire qui est très contente de la signature de ces accords. Et lui, il dit les cons. On lui signale du monde au sol. Il pense que c'est une émeute pour le lyncher. Ouais. Et l'avion va tourner pendant 45 minutes jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'essence. Donc, on voit le malentendu. On voit quel état de naïveté est l'avant-guerre. Et on voit aussi la naïveté des démocrates, l'Angleterre et la France, face aux dictateurs. Et je pense qu'il y a quelque chose, il y a une forme de permanence. Voilà, Georges-Marc Benhamou, Le Fantôme de Munich, chez Flammarion. Alors, on commence avec le premier Alien d'or de la soirée, l'Alien d'or de l'anniversaire qui compte le moins pour vous cette semaine. Attention, les 30 ans des grosses têtes, les 4 ans de la fin du régime de Saddam Hussein, les 20 ans de TF1, les 74 ans de Jean-Paul Belmondo ou les 80 ans du pape. On commence avec vous, Nadine. Moi, je dirais les 30 ans des grosses têtes. J'adore Philippe. Mais celui qui compte le moins, Nadine. Bah, tant pis. Moi. Ah, celui qui compte le moins. Oui, oui, oui. Ah, excusez-moi. Bon, alors, Nadine, l'anniversaire que vous comptez le moins fêter cette semaine? Le mien. Non, mais là, dans ceux qui sont là. Ah, bon, pardon. Non, en plus, c'est mon anniversaire, je vous dis le mien. Bon anniversaire, ma vie. 75 ans. Voilà. Donc, ouh là là. Voilà, je vais avoir 75. Eh, ça conserve le pognon. Bon, alors, Nadine, quel est l'anniversaire que vous comptez le moins fêter cette semaine? Celui du pape, ça, c'est sûr. Ouais, vous en foutez du pape, vous.
Oui, honnêtement, ouais. Oui. Bon, d'accord. Alors, Hélène, l'anniversaire que tu comptes le moins fêter cette semaine. Le pape aussi. Juliette. Ah, oh ben les grosses têtes. Les grosses têtes. T'es pas grosse tête, toi. Ah non. T'es pas ton genre d'humour. Ah, quoi. Je comprends rien. Ah ouais. Il y a trop de jeux de mots. Et moi, le jeu de mots m'énerve. Très, très vite. Donc, non, les grosses têtes, non. Ismaïne, toi. Non, moi, je dirais les 80 ans du pape. Aussi. Bon, alors, Georges Marc, l'anniversaire que moi, je me tape des 74 ans de Jean-Paul Belmondo. Ah ouais. Pourquoi? On tape, voilà. L'alien d'or de l'anniversaire que vous comptez le moins fêter cette semaine est attribué au pape pour ses 80 ans. Ismaïne, depuis le 3 avril, vous fêtez vos 20 ans de carrière au théâtre du Gymnase, donc, et je me souviens du premier one-man show il y a 20 ans, Star is Burn, oui, oui. Au Tintamarre. Oui. Premier spectateur, Thierry Ardisson. Non, non, mais c'est vrai, hein, j'étais parmi les premiers. Ouais, mais à l'époque, oui. C'était un événement, il y avait eu la une de l'Obs, oui, oui. La une de l'événement du jeudi, oui, c'est un vrai c'est, truc. C'est énorme, oui, parce qu'il y avait un contexte politique, il y a eu la fameuse marche des beurs. Alors, sur scène, Ismaïne, vous faites un best-of de vos sketchs, plus trois nouveaux. Trois nouveaux, oui. Et ça se passe très bien. Ben, c'est plein, ça marche bien, je suis très content. C'est un métier dur, parce que, en fin de compte, je me suis aperçu que le talent, en fin de compte, c'est le public. Mais le talent aussi, c'est les médias. C'est vous qui décidez un peu si vous avez la carte ou si vous n'avez pas la carte. Donc c'est très difficile. Et là, ce qui est amusant, c'est qu'il suffit de faire une émission grâce à l'attaché de presse, deux émissions, et après c'est exponentiel. Après, tiens, on fait Ardisson. Mais ouais. Ce qui est vachement extraordinaire, c'est de savoir que le public est encore présent et que je me marre autant. Voilà, alors le sujet de la semaine en politique, c'est ce sondage qui révèle que 42% des Français, soit 18 millions de gens, n'ont pas encore décidé pour qui ils vont voter. Donc ça promet des files d'attente devant les isoloirs. Ça va ressembler à des cabines d'essayage. Je suis là, qu'est-ce qu'on fait? On le prend pas. Enfin, le Canard Enchaîné a dit 99,87% des indécis hésitent encore. Le Canard Enchaîné a raison, c'est exactement ça. On regarde et on en parle. Qu'est-ce que c'est chiant le foot cette année? Depuis le début, on sait que c'est Lyon qui va gagner. Heureusement qu'on a les présidentielles pour nous distraire. Oh là 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 là, quel suspense! 42% d'indécis, 18 millions d'électeurs. Quand on pense que Canal a payé 600 millions d'euros pour une Ligue 1 où on se fait chier, alors qu'avec 70 millions de budget au total, nos 12 candidats entretiennent un suspense de folie, à la limite, il faudrait organiser une présidentielle chaque année, comme pour les séries américaines. Bon, en même temps, faut pas exagérer le suspense du feuilleton non plus. 59% des Français pensent que Sarkozy va gagner, contre 18% pour Sego et 8% pour Bayrou. Allez les supporters, on se réveille. Comme on dit au foot, tant que la ligne n'est pas franchie, rien n'est fait. Par exemple, si les 18 millions d'indécis votent Chivardi, eh ben avec 42% des voix, ils passent presque au premier tour. Alors, c'est pas la glorieuse incertitude de la démocratie? Bravo. Alors... C'est vrai qu'on ne sait pas pour qui on va voter, hein. On a dit que vous votez en France, vous? Oui, bien sûr. Ben, on habite en Suisse. Et alors? Et moi, vous avez je décidé, vote, ça y est? Bien sûr, oui, absolument. Ah ouais. Mais depuis longtemps? Écoutez, la famille est en Suisse depuis 1863. Non. Je m'excuse. Non, je veux dire, vous avez décidé pour qui vous allez voter depuis longtemps? Ah, depuis le premier jour, oui. Ah ouais. Vous attendez autre chose? Non. On se doute bien, vous n'avez pas voté pour la Guillée non plus. Hein. Non, moi je voudrais qu'on me laisse me garer dans la rue de l'Elysée, c'est tout ce que je demande. Ah, oui. Ah j'adore. So chic. Ça c'est chic. Nadine a dit juste sur le côté de l'Elysée. En tout cas, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent s'ils vont voter pour Sarkozy. Ce qui prouve qu'on n'est pas sarkozyste comme on est pédophile ou suicidaire. Est-ce que je pourrais faire une remarque? J'ai remarqué que De Gaulle était grand. Faux. Attends, non. De Gaulle était grand. Pompidou était petit. Oui. D'accord. Ensuite, Giscard était grand. Oui. Mitterrand était petit. Oui. Était petit. Chirac, grand. Ouais. Chirac est grand. Et maintenant, c'est un petit. Oh là là. Besançon. Voilà, c'est bon. Alors, il faudrait mesurer entre Sarko, Besancenot, je ne sais pas. Non. Pourquoi les gens sont indécis? C'est ça qui est intéressant. Les gens sont indécis parce qu'en fait, on n'arrive pas à distinguer entre les candidats. Tu vois, si Le Pen est obligé de dire que Sarkozy est un immigré pour pas qu'on les confonde, en tous les cas, on ne s'y retrouve plus. Pour s'y retrouver, on va faire un slogan quiz. Qui a pour slogan la ruralité d'abord? News. Bien. Qui a pour slogan moi d'abord? Le Pen. Personne.
pour slogan, nos vies valent plus que leurs profits. Besançon, oui. Bien, c'est joli, bien. En tout cas. Ah ouais. Oui, c'est assez pas mal. Oui, qui a pour slogan, quitte à vous faire baiser, autant que ce soit par une femme. François Hollande. Bien. Ouais, vas-y, fâche-toi. Ouais. Fâche-toi, fâche-toi. Bien un mot. Qui a pour slogan le seul PC qui ne plante pas? Buffet. Bien sûr. Qui a pour slogan un autre avenir est possible? Sarkozy. Non, c'est... X-Files. Bayrou, Bayrou. Non, c'est Beauvais. Non, mais tu vois, je t'ai dit, c'est génial, on sait plus rien. On sait plus. Qui a pour slogan, je n'ai pas de programme, mais vous non plus, alors? Personne. Qui a pour slogan, ensemble, tout devient possible? Ah, mais Sarko. Ah, bah, voilà. Et le Canard Enchaîné publie une photo cette semaine où on voit que c'était la pub de la Société Générale au Maroc. Qui a pour slogan, une meuf pour du neuf? C'est moi. Face à ce drame de l'indécision, Salut les Terriens a décidé de réagir et d'inventer la machine à choisir ses candidats. C'est Olivier Perrin qui s'y est collé. C'est parti. La roue de la fortune électorale. Alors, le 9, le 6. 6 pour monsieur Dominique Voynet. Je te voyais bien, Dominique Voynet. T'avais un look à... T'es bien, regarde Dominique, ouais, ça te ressemble en plus. T'es vert, t'es... Ouais, mais... Pourquoi? Non, je suis déçu. L'écolo? Non, on peut pas, on a un joker ou quelque chose, non? Ça sera toi. Président de la République. Bérou! Arrête-la un peu. Encore un peu, encore un peu, encore un peu. Arrête. Oh, Sarkozy, madame. Ah non. Ah bah si, à gauche. À gauche, madame Sarkozy, ça tombe. Non. Pour toi, chasseur, la chasse. Oh non. Quoi, non. La chasse? Oh, c'était juste à côté en plus. Bah ouais, mais c'est la chasse pour toi, attends. Je suis végétarienne, c'est nul. On est concentrés. C'est l'avenir de la France en jeu. Le 4. Le 4. François Bayrou, vous êtes content? Pas très. Toi, tu vas voter sur la gauche. Je sens à gauche. Le 1, c'est bon le 1, ça. C'est bien le 1, Besancenot? Ben voilà. T'es content? Ouais, ça y est, j'ai décidé. Voilà, tu touches bien les panneaux. Touche bien, sens bien les élections, voilà. Voilà, fais des trucs comme ça, voilà. Ta-ta-ta-ta, voilà. Voilà, ta-ta-ta, sens bien les panneaux, voilà. Sens bien les panneaux. Voilà, tap. Sens bien les panneaux, voilà. Fais. Voilà, tu vois? Concentre bien ce que t'as choisi. Ah, tu vois que ça fait. Voynet. Bon, bah, hein. Bon choix. On sera jamais content. Ah, c'est Camille Perrin. Bravo. C'est terrible. C'est-à-dire que ce qui est fou, c'est qu'il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, on s'amusait pas à ça. Aujourd'hui, ouais. On s'amuse. Ouais. C'est un scandale. Ben oui, non. Est-ce que c'est un scandale, je me demande? Alors Nadine, vous publiez chez Albin Michel « Les hommes de ma vie ». Vous exprimez votre philosophie, votre lutte pour la condition masculine. Vous persistez à croire que l'homme doit avoir le beau rôle dans le couple. Hein. Il reste vous et Éric Zemmour. Hein. Bah, oui, mais on est... Peut-être qu'on va finir ensemble, d'ailleurs. Ouais. Ce n'est pas Éric Zemmour. Mais écoutez, il en a le même charme. Alors. Voilà, exactement. Non, vous êtes beaucoup mieux. Il est mieux. Vous êtes beaucoup mieux, c'est vrai. Enfin, physique pour physique, vous êtes beaucoup mieux. Hein. Alors Hélène, tu connais la devise de Nadine, l'homme prend et la femme s'offre. Alors moi, je suis d'accord sur certains trucs. Je suis d'accord pour que la femme tienne un rôle. Et moi, je fais tout pour rendre mon mari heureux et je tiens mon rôle de femme. Ouais. Mais par contre, je ne me verrais pas être entretenue par un homme. Voilà, c'est tout. Mais c'est tellement simplement agréable. Mais écoutez, Nadine, mais je veux bien. Agréable. Mais on en attendait. Nadine, moi, je veux bien, mais quand je tombe amoureuse de quelqu'un, je ne vais pas regarder s'il a de quoi m'entretenir, c'est tout. Mais non, mais c'est pas de ça dont il s'agit, Hélène. Bah, un petit peu quand même. Mais non. Léger, quoi, léger.
Mais non, c'est pas ça du tout. Mais l'homme doit normalement assumer quand même une responsabilité dans un couple. Oui, mais Nadine, alors la femme qui reste au foyer toute sa vie, et c'est vraiment, si je pouvais, je le ferais, qui élève ses enfants toute sa vie, puis à 50 balais, le mec, il s'en trouve une jeunette de 20, il se barre, et qu'est-ce qu'elle fait? Mais avec vous, il se barrera aussi, ma pauvre chérie. Ah, oui. C'est-à-dire, le fait que les femmes travaillent n'interdit pas aux hommes de se barrer, c'est vrai en même temps. Mais bien entendu. Oui. Vous dites maintenant, la virilité est devenue ringarde. Les hommes ne regardent plus les femmes. Les femmes qui attendent derrière un téléphone, mais c'est la vérité. Ça dépend dans quel quartier, et ça dépend la classe sociale des gens. Pas d'accord. Et passez devant un chantier, vous verrez si alors, les hommes ne vous regardent pas. Alors, moi je vous dis... Faut choisir. Mais s'il faut les se faire sauter sur les chantiers, avoue quand même que c'est emmerdant. Oh, comme c'est... C'est un quoi de sur mer et qu'est-ce qu'il y a de mal à entretenir une relation amoureuse avec un ouvrier de chantier? Oh bah, qu'est-ce qu'il y a de mal à baiser dans un Algeco? Et même dans un Algeco. Il a parlé de tout le chantier. Il a pas dit ça. Tout le chantier. Oh, bonne, il faut être raisonnable. Voilà, voilà. Non, pas tout le chantier. Je crois que tout le monde a compris. Nadine propose aux femmes de jouer, de maîtriser le désir qu'elles suscitent. Oui, mais s'il y a du pognon aussi, quoi, grosso modo. Mais non, mais écoutez, alors c'est demain. Alors écoutez, Hélène, je vous donne un exemple. Si mon mari s'était présenté devant vous, est-ce que vous l'auriez épousé? Ah non, il n'était pas terrible, moi, j'ai trouvé. Hélène, enfin, quand même. Edmond pas... Non, je vais rester avec votre mari, mais c'est pas mon style d'homme. Attendez, est-ce que vous avez connu mon mari? Non, mais c'est pas, eh ben alors. C'est pas mon style d'homme. Mais non, mais attendez, mais attention. On va profiter de la présence de Nadine de Rothschild pour dire aux jeunes filles ce qu'elles doivent faire ou pas faire. On va faire un quiz à faire ou pas faire. Porter un string, Nadine, à faire, à pas faire? Moi, je suis contre parce que j'estime que une femme qui en montre trop n'est pas séduisante. Voilà, la grosse culotte petit bateau qui arrive jusque là. Et pourquoi pas? Avoir un tatouage en haut des fesses, à faire, à pas faire? Moi, je dis non parce que effectivement, on s'arrêtera pas au premier. Hein. Oui, il y a marqué Asmaïn. Oui. Ça dépend où l'aimer. Ouais. Un piercing sur la langue, à faire, à pas faire? Moi, je n'aime pas. Ouais. C'est très sensuel, vous savez. Hein. Ouais. Un piercing sur la chatte, Nadine? Attends. C'est pour savoir. C'est pour savoir. Ne me dis pas que j'allais répondre. Il n'en est même pas question. On continue. Accepter une invitation chez Flunch. À faire ou à pas faire? Je ne sais pas ce que c'est que Flunch. D'accord, c'est mosaïque. C'est en carton comme ça. C'est pas bon. Oh, elle a raison. Attends. Mais attendez. Le baiser en bas d'immeuble. Ah oui, mais c'est charmant, ça, bien sûr. La fellation en bas d'immeuble. Bravo, notre jazz. Et maintenant, on passe aux rumeurs. On va voir si vous savez les reconnaître ou pas. Attention, attention, on se concentre. Si Nicolas Sarkozy est élu, 12% des Français auraient l'intention de brûler des voitures dans la rue et 3% auraient l'intention de brûler leur propre voiture. Les assurances, faux. Rumeur. Le week-end dernier, le pape aurait prononcé la bénédiction Urbi et Orbi en 62 langues, dont 13 complètement inventées. Faux. J'y arrive pas. Bon, attention. Le laboratoire de physique de Lyon viendrait de passer 6 mois à essayer de comprendre pourquoi quand on jette un caillou dans l'eau, des fois il fait plouf et des fois il fait plop. Non, vrai. Ah bon. Ils se font chier. C'est hein. Vrai. C'est vrai. Vrai. Bravo, dis donc. Ouais. Les perspicaces. Hein. J'ai des intuitions. Ouais. Ça se confirmerait. Si Jacques Chirac aimait autant les bains de foule, c'est parce qu'il y avait toujours une militante pour lui toucher les couilles. Rumeur, pas... Rumeur, ouais. Mais tu arrives pas à le faire. Tu peux pas. Le problème, c'est que tu ris, donc... Ouais, c'est pas que je me... Il se dit chute à lui-même. Chut, Thierry, arrête de rire. Bon, Evangélie aura le droit de vote comme tout le monde. Rumeur. Il y a la réponse dans sa tête. Selon les derniers sondages, les intentions de vote pour Dominique Voynet seraient désormais négatives à moins de... Selon les derniers sondages, l'intention de vote pour Dominique Voynet serait désormais négative à moins 2%. Rumeur. Jean-Paul Belmondo voudrait profiter de son état de santé actuel pour interpréter Jean-Paul II au cinéma. Oh. Une rumeur. Oh, rumeur. Rumeur. Rumeur.
Jean-Luc Delarue aurait préféré faire un stage de citoyenneté de 3 jours plutôt qu'un stage dans sa propre société de production. Vrai. Rumeur. Ah, ce ne serait pas Dalida mais Orlando qui aurait eu une relation avec François Mitterrand. Voilà, Hélène Ségara, donc très heureux de vous revoir. Au moins, c'est pas Lara Fabian. Oh, bien sûr. Dernier album, Quand l'éternité, donc sorti en septembre, qui marche très bien. Vous offrez un visage plutôt pop. Oui, plus pop, c'est vrai. Plus pop qu'avant. Oui, c'est vrai. Alors, nouvelle maison de disques, mais toujours Orlando quand même avec vous. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est mon Pygmalion. Ah ouais, ah, c'est votre Pygmalion. Moi, je suis quelqu'un de reconnaissant envers les gens qui m'ont fait du bien. Quand j'ai perdu ma voix sous Notre-Dame de Paris, j'ai été muette, j'ai fait le tour des médecins partout dans le monde, à New York, au Canada. Ah oui, et on m'avait dit que je ne chanterais plus jamais. Et c'est à ce moment-là que mon premier producteur, plutôt véreux, a mis mon contrat de chanteuse en vente sur le marché, et que personne, bien sûr, en voulait, parce qu'il disait... Et voilà, sur eBay. Et que lui, il a racheté ça à prix d'or parce qu'il disait que j'allais rechanter. Alors, qui ferait ça aujourd'hui, dans ce métier? Voilà, je le dis. On regarde à quoi ça ressemble. Son dernier album, Quand l'éternité, voilà. Alors, tournée en France, Hélène Ségara et le Palais des Sports, 27 et 28 avril. J'accueille Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, bonsoir. Mais d'abord, mesdames, messieurs, le zapping de Canal. C'était le zapping de Canal et maintenant, la revue de presse de la semaine de Stéphane Guillon. Wow. Une revue de presse entièrement politique, Thierry, hein, comme on n'a pas le droit la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est une spéciale people, pas le droit de parler politique. Je me suis dit qu'on allait prendre de l'avance. Voilà. Ségolène Royal adore le bon vin. Cela donne du plaisir toute la journée, dit-elle. Alors ça, c'est la photo que vous avez vue dans la presse. Et voici la photo que vous n'avez pas vue. En fin d'après-midi, Ségolène a toujours du plaisir. Nicolas Sarkozy pense qu'on est pédophile. Donc, il y a des nourrissons pédophiles. S'ils sont excités par beaucoup plus jeunes qu'eux, à part un hochet en forme de spermatozoïde, je ne vois pas. Est-ce que les pédophiles voteront Sarkozy? Mystère. On sait juste les reconnaître dans un isoloir. C'est trash, mais bon. On va bien commencer un petit peu. Sarkozy toujours, flashé à 130 sur une route limitée à 70. Oui, c'est l'application de son slogan « Ensemble, tout devient possible ». Ensemble, ça veut dire 2 motards pour ouvrir la route, 1 gyrophare et connaître le préfet. Et là, tu peux rouler comme un con sans perdre de points. On connaît mieux l'identité du resquilleur de la gare du Nord. Alors, contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas un délinquant. Son avocat confesse de petits larcins, notamment un vol de nourriture, 2 millions d'euros de frais de bouche et des emplois fictifs. Mais enfin, rien de grave. L'image, c'est important. Le petit-fils de Chirac n'est pas flouté quand il est avec son grand-père. En revanche, avec Michel Alliomari, si. Oui. T'as à l'école, c'est trop la honte. Hein. Tu te fais emmerder. Le coup de foudre, Bayrou-Lindon, titre le Parisien. Il s'appelle 4 fois par jour. Ouais, c'est une vieille histoire. Quand Bayrou était bègue, Vincent l'aidait avec la tête. Ségolène voudrait voir plus souvent son compagnon. Bayrou, non, il adore faire campagne. L'autre jour, à Cayenne, il a dragué 3 danseuses folkloriques. Il s'en est tapé aucune. À force d'avoir hésité entre celle de droite et celle de gauche, celle du centre lui a dit non. Ouais.
Jacques Lang et les infirmières bulgares, titre la presse, à ne pas confondre avec le film pornographique Petites Langues et infirmières bulgares. S'il te plaît, ça. Ouais. La couverture de match, Bernadette Chirac, l'émotion du départ. La première dame de France visite une dernière fois les pièces qu'elle a tant aimées. Excusez-moi. Dire que ça va être repris par Cecilia, qui sera à New York 6 mois sur 12. Ça me fait mal au cul, madame la baronne. En attendant, Bernadette s'occupe. La voici à la lingerie de l'Élysée, où elle raccourcit les draps. Oui, pour Sarkozy, tout va être trop grand. Oui. Un très beau reportage réalisé par Karl Lagerfeld qui lui reste à l'Elysée. C'est bientôt l'époque des cerises, ils le mettent dans l'arbre, ça fait fuir les moineaux. Toujours dans Match, François Bayrou et ses 6 enfants qui n'ont pas couché entre eux. C'est ouais. Philippe de Villiers où les enfants se tripotent. Oh. Prenez des notes, la semaine prochaine on ne pourra plus parler politique et c'est important que vous ayez toutes les infos pour voter. Écologie. 3 ans après la catastrophe de l'Erika, certaines plages bretonnes restent souillées. Ça ne part pas, hein. C'est une vraie saloperie, ça pollue tout ce que ça touche. Voilà. Voilà, voilà. C'est important que vous ayez toutes les infos pour aller voter. À la semaine prochaine. Merci. Merci Stéphane Guillon. À la semaine prochaine. Bon alors, on ne sait pas si l'élection présidentielle va relancer la France. Mais elle a bien relancé l'édition en France, en tous les cas. En tête des ventes actuellement, le livre d'Éric Besson, qui connaît Madame Royale. Hein, ça fait au moins un classement où elle est première, Ségolène. Oh, il a casse. Et puis maintenant arrive le livre d'Azouz Begag, qui démarre très fort, malgré une tentative d'interdiction de Nicolas Sarkozy. C'est quand même 2 livres qu'il essaie d'interdire en 2 ans. C'est pas mal, quand même. Hein. Les politiques, c'est comme les people. À force de les voir à la télé, on veut tout savoir d'eux. C'est-à-dire qu'on se méfie aussi, hein, tous ces sourires, ces poignées de main, ces discours, ces promesses, et si ça cachait quelque chose. En fait, pour être bien sûr qu'ils ne cachent rien, on voudrait les foutre à poil, nos politiques. Mais bon, pour l'instant, il faut se contenter des photos en maillot de bain. Alors bien sûr, pour en savoir plus sur les candidats, on peut acheter leur livre. Celui de Sarko s'intitule « Ensemble », celui de Sego « Maintenant ». Pour vous dire si c'est sincère, ils auraient pu échanger les titres de leurs bouquins, personne ne se serait rendu compte de rien. Heureusement, comme les stars ont toujours un garde du corps ou un chauffeur qui trahit leurs secrets dans une biographie interdite, les candidats, eux, ont toujours dans leur camp des déçus qui crachent dans la soupe. Et ça marche. 130 000 exemplaires vendus pour Qui connaît Madame Royale d'Éric Besson. L'ancien proche de Ségolène l'accuse d'user et d'abuser de la démagogie. Et cette semaine, c'est Azouz Begag qui a sorti Un mouton dans la baignoire. L'ancien ministre raconte comment son collègue Sarkozy l'a traité de connard et de salaud parce qu'il s'opposait à lui. Il l'a même menacé de lui péter la gueule. Comment ? Sarko serait un excité et Sego une démago ? Mais qui va croire une chose pareille ? Enfin, on sait jamais, hein. Souvenez-vous au début quand on a dit que Mitterrand avait le cancer et des amis d'extrême droite. Oh là là, quelle calomnie, s'indignait-on ? Et puis finalement, alors, vous votez pour qui la semaine prochaine ? L'excité ou la démago ? Bravo. Bien. Alors on va voir en tous les cas, si vous vous retrouvez comme ça dans tous ces bouquins qui sortent, on va faire un quiz, livre politique. Vous allez me dire si ça existe ou pas. Hein. Chirac, mon ami de 30 ans, ça existe ou pas ? Oui. Très bien. Props, absolument. Mais sans façon de m'occuper à la maison quand Ségolène est en meeting. Non. Les éléphants malades de la peste. Oui, oui. Ça existe. Très bien. Oui. Philippe Alexandre, absolument. Un éléphant, ça trompe énormément ? C'est un film. Bien. Mes 300 patates, le sumo et moi. Non. J'adore. C'est pour Chirac, mais non. Qui veut la peau de Sarkozy ? Oui. Ça me fait chaud. Ça aurait pu exister. Ça aurait pu exister, absolument. Bah oui. Pour un pacte écologique. Oui. Ma femme s'appelle Reviens. Hollande. Non, super. Voilà, alors nous allons maintenant décerner le dernier alien d'or de la soirée, l'alien d'or de la pire suite. Alors, arrête de pleurer, Pénélope 2. Faites bien gaffe à ce que vous allez répondre. Les Bronzés 3, Taxi 4, Rocky 6 ou Benoît 16. Alors, la pire suite, Georges Marc, pour vous. Taxi 4. Hélène.
J'ai pas vu Taxi 4, mon fils va sûrement le voir, mais Bronzé 3, j'ai vu. Et vu que pour moi, les Bronzés, c'est mythique, j'étais hyper déçue. Hyper déçue. Smaïl. Les Bronzés 3. Nadine, la suite la plus décevante. Non, j'en ai vu aucun. Benoît XVI, peut-être. Non, aucun. J'en ai vu, je peux pas donner de réponse. Moi, je dis Benoît XVI, trop de Benoît. Trop de Benoît, tue le Benoît. Trop de Benoît, voilà. Très, 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 c'est mauvais pour les Benoît. Voilà. Donc, l'Alien d'or de la pire suite est attribué au Bronzé 3, mesdames, messieurs. Alors, Juliette Arnaud, vous n'avez pas eu l'Alien de la pire suite. Yes. Non. Yes. Hein. Vous êtes ici pour le triomphe de Arrête de pleurer, Pénélope 2. Oui. Hein, qui est le succès de la saison... C'est ce que dit Paris Match. Ah, non, mais c'est incroyable. C'est en train de devenir un classique du théâtre français. Hein. Je pense qu'on va être nominé aux Molières. Ah, ouais. C'est toujours des histoires de mecs qui sont des salauds, les gondas sont des sextoys, ils écoutent des chansons de baba. Ça n'a jamais été ça, non. Arrête de pleurer, Pénélope. Ouais. Jamais, jamais, jamais. On ne fait pas de généralité. On est un tout petit peu trop pertinente pour ça. D'accord, très bien. Bien défendu. Voilà. Bon, on va quand même vous faire une interview. Bonne fête, les mecs. Eh bien, bien sûr. Bien entendu. C'est bien. Parti. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez un mec? Quand ils rentrent leur t-shirt dans leur pantalon. Ah, c'est dur pour moi ce que tu viens de dire. Oh putain. Tu sais bien, mais c'est fait exprès. Non, mais quand même, non. Non, non, c'est vrai. Ce qui m'énerve le plus, c'est quand les mecs disent j'adore les femmes. Ouais. Ah, cette phrase-là. Oui, c'est terrible quand on est une femme. Bah oui, bien sûr. Inintéressant. Qu'est-ce qui est vraiment ridicule chez un mec? Rentrer son t-shirt dans son pantalon. D'accord, ok, je sais, d'accord. Je me demande pourquoi j'ai posé la question. Qu'est-ce que les mecs sont incapables de faire? Se lécher les couilles. Ah oui, ça c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a des gonzesses. Par quoi peut-on très bien remplacer un mec? Un tampax. Ah oui. Parce que tu peux jouer au volet, tu peux monter à cheval, tu peux jouer au football, tu peux faire du shopping. Qu'est-ce qu'un mec fait vraiment moins bien qu'une femme? Écoutez. Écoutez. Les mecs, t'as souvent l'impression quand tu leur parles qu'en même temps ils chantent dans leur tête des trucs. Moi, ce que je veux dire? Tu t'écoutes, mais pas tant que ça non plus. Pense à baiser. Quelle est la pire chose qu'un mec ait pu vous faire? Il y en a un qui m'a oublié dans une boîte de nuit. D'accord. Hein? C'est vrai con. Ça m'a fait super plaisir. Hein? Ouais. 4 heures du matin, pas de papier, pas de clé de maison, rien de ça. Et il y a un mec qui a oublié de me larguer. Ah ouais? Il a oublié. C'est-à-dire, je suis arrivée au lycée un matin, il était avec ma meilleure amie. Je l'ai regardé genre... Ouais. J'ai loupé un épisode, il me fait « Oh putain, j'ai oublié de te le dire. » Ça, c'est pire. Il n'y avait pas encore les SMS, peut-être. Ça, c'est pire. Qu'est-ce qui donne le plus envie de devenir lesbienne? Virginie Despentes. Oh, il y a des mecs bien, quand même. Ouais. Non? C'est quoi, un mec bien? Ben, il y a mon père, il y a mon frère, il y a mon ex. Ouais. Ah oui. C'est qui ton ex, t'as dit? Michael Youn. Et pourquoi vous avez rompu, alors? Parce qu'il ne m'aimait plus. Non. C'est pas triste, hein. Mais en même temps, Elsa Pataki, elle l'a planté aussi. Ah, mais ça, c'est la justice immanente. Ah, Dieu existe. Ça, c'est mon côté catholique. Dieu existe. Maintenant, Nadine, concentrez-vous. On passe au champion de l'actu. C'est notre grand jeu. Alors là, c'est pas un quiz pour rigoler, on discute n'importe quoi. Hein. Là, c'est un truc où on compte les points, Nadine. À la fin, il y aura un vainqueur ou une vainqueuse. Pascal Sevran a été condamné à payer 30 000 euros aux héritiers d'Hergé pour l'utilisation abusive du nom Tintin, à une association contre le racisme, à son jardinier ou à l'amicale des anciens amis de François Mitterrand pour soutien à Sarkozy. À une association contre le racisme. Oui, à son jardinier. À son jardinier. Ah bon, Juliette Arnaud. Alors pourquoi? Tu l'as pas payé. Problème au prud'homme. Bravo. Ah, tu marques un point. Quelle a été l'excuse de Nicolas Sarkozy pour justifier l'annulation de sa visite à Lyon? Mon avion a eu du retard. J'avais très mal au ventre. On s'est perdu, c'est bête. Hein. J'avais plus envie d'y aller. Ou mon petit chat est mort. Mon avion a eu du retard. Mon avion a eu du retard. Bravo. Oui. C'est Smaïl qui marque un point. La marque allemande Hugo Boss a réussi à faire interdire que l'on dise qu'elle avait dessiné les uniformes nazis. La marque de vêtements BO.S.S de Joey Starr pour préjudice. Ou les livres de Victor Hugo pour préjudice. Joey Starr. Ouais, bien, Smaïl. Là, ça se joue entre Smaïl et Juliette. Hein. Attention, se concentre. Jean-Marie Le Pen s'est rendu sur la dalle d'Argenteuil. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que
Des figurants avaient été payés pour l'applaudir. Non. Toute cette visite n'a duré que 28 minutes à 9h du matin. Marine Le Pen s'est fait violer pendant la visite. Et Dieudonné était là pour l'accueillir. Ça dure 28 minutes. Peu de temps. Oh non, j'ai dit en même temps. À 10h du matin. Ah oui. Retour sur image. Non, je l'ai vu. Smaïn est en tête. Hein. Attention. Qu'est-ce que Laetitia Hallyday a fait tatouer au creux de ses reins? C'est un peu plus bas. Johnny Forever, Jade mon amour, attention zone interdite ou Optique 2000. Jade mon amour en mandarin. Point. 77% des Français encouragent leurs enfants à pirater des disques plutôt que les acheter, s'inscrire au casting de la Nouvelle Star, devenir fonctionnaire, être de droite s'ils le peuvent, ou porter un slip propre au cas où ils auraient un accident. Fonctionnaire. Exactement. Quelle personnalité interdit systématiquement l'accès de sa loge aux hommes ? Parce qu'elle refuse d'être vue par un homme pendant qu'elle se maquille. Dominique Voynet, Ariane Massenet, Geneviève de Fontenay, Marie-Georges Buffet ou Ségolène Royal. Geneviève Royal. Ségolène Royal, Benhamou. Ouais. Elle veut pas. Elle veut pas, c'est quoi? Elle aime pas qu'on la voit en train de se maquiller. Eh ben, moi, c'est pareil. Ouais, toi, c'est... Ben, je veux pas qu'on me voit maquiller, c'est super impudique. Est-ce que tu fais comment? Est-ce que tu ouvres la bouche quand tu maquilles? Bah, évidemment, j'ai l'air d'une truffe. Ah non, c'est bon. Enfin, non, j'aime pas. Attention. Bon, lors d'une interview, Rachida Dati, porte-parole de Nicolas Sarkozy, s'est déclarée, en plaisantant, ministre de l'Identité nationale et des bons Français, ministre de la rénovation urbaine au Karcher, ministre de la lutte contre les bébés pédophiles et suicidaires, ministre des bons Arabes ou ministre des Français fiers et dignes. Ministère de l'Identité nationale et des bons Français. Non, fiers et dignes. Georges Marx, vous avez la réponse? Deuxième. Ministre de la rénovation urbaine au Karcher, voilà. On a perdu tous les deux. Ouais. Zéro, mais très fort, Georges Marc. Oui, oui, elle a dit ça pour rigoler, mais bon, elle l'a dit quand même. 15,5 millions de dollars, c'est la somme que Courtney Love a dépensée en chirurgie esthétique, Tom Cruise a versé à l'église de Scientologie, Britney Spears a dépensé en seulement 2 ans, Victoria Beckham a dépensé en chaussures en 5 ans, ou la somme que Jean-Luc Delarue prélève annuellement sur la redevance. Deuxième. Tom Cruise a versé à l'église de Scientologie. Moi, j'irais Britney Spears. Britney Spears. Bravo, Juliette. Je m'y connais, on confiance. Voilà. Attention. Qui produit le champagne Veuve Poignée, distribué dans les bars gays parisiens? Gérard Depardieu, Vincent McDoum, Jean-Claude Brialy, Christophe Girard ou Jean-Marie Le Pen? Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Juliette Arnaud, bravo! Le champion de l'actu cette semaine est Juliette Arnaud. Et voilà, c'était Salut les Terriens avec Nadine de Rothschild, Les Hommes de ma vie. C'est publié chez Albin Michel. Hélène Ségara, son CD s'appelle Dans l'éternité. Juliette Arnaud, Arrête de pleurer, Pénélope 2 au Théâtre Fontaine. Georges-Marc Benhamou, Le fantôme de Munich chez Flammarion. Smaïn, Best of au Théâtre du Gymnase. Je vous laisse avec mes amis de Groland et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les Terriens. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.